Il y avait une fois un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, j'ai réussi à ne pas fauter. Alors il me raconte qu'il avait un contrôle fiscal et la femme qui devait lui faire passer le contrôle fiscal, c'est une femme qui avait des problèmes avec son mari, mais elle est tombée amoureuse de ce juif. Elle a commencé à lui dire, tu sais que ton contrôle n'est pas bien, hein. Tu risques une grosse amende. Et un jour, elle lui dit, tu sais quoi, invite-moi, on va aller manger quelque part. Elle lui dit, moi, je mange kasher. Alors, elle lui dit, alors, prends-moi un restaurant kasher. Elle dit, mais attends, moi, je suis marié, les gens vont me voir. Et à un moment donné, elle lui a dit, écoute, je te donne jusqu'à demain. Tu ne m'invites pas quelque part, demain, je te balance. Il dit à sa femme, je suis obligé de te raconter, bien sûr, que j'ai rien à faire, que Dieu préserve. Ce n'est pas avec cette femme que je vais fauter. Même si je perds tout, même si je rentre en prison, je ne vais pas fauter avec elle. J'ai dit, Kola Kavot, tu as fait ce que Youssef HaTzadik a fait. Tu as tenu ton cœur comme une pierre pour ne pas l'écouter, pour ne pas tomber dans son piège. Et finalement, la même semaine, elle n'est plus retournée chez lui.